Le braqueur récidiviste, déjà condamné 3 fois à des peines de réclusion criminelle, le truand avait été remis en liberté en décembre 2000 après 2 ans de détention provisoire. Un récidiviste, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir. Sa vie n'est que ça, quoi, que dans la malhonnêteté. Je me rends compte que je sais pas ce qu'ils avaient dans ma tête. J'aurais pas dû faire ça, mais j'aurais pas dû. Est-ce qu'il est encore dangereux ou pas? La vérité, c'est que c'est très difficile de le savoir. Comment Pierre Baudin, condamné à 28 ans de prison en 1996, a-t-il pu sortir libre en 2004, moins de 8 ans après sa condamnation? Le récidiviste est perçu comme un pestiféré qu'il faut éliminer et le plus longtemps possible à chaque fois qu'il récidive. C'est celui qui resterait rétif, voilà, à toute sanction, toute prise en charge, l'incorrigible. J'aimerais regagner ma place dans la société et vous prouver que je peux faire beaucoup d'efforts. Le quinquagénaire a déjà été condamné en 1987 à 6 ans de prison ferme. Le meurtrier présumé est un récidiviste.